Avec Christelle Yobon, on se permet une petite balade dans la ville d'Hambourg. Et vous avez vu là devant nous le Hafen City River Bus. C'est ce bus-là qui passe en même temps sur les routes normales et qui aussi s'engouffre dans le fleuve. Voilà. On va se balader et dans nos balades, on va faire un tour au shop de Christelle Yobon parce que ça va vous faire découvrir un peu toutes ces richesses culturelles qu'elle vend ici. Ça fait partie de quoi? Christelle, au shop, on va voir quoi? Ben, on va voir la diversité culturelle. C'est un shop qui met en promotion les articles africains de la Côte d'Ivoire et du Ghana, du Kenya et autres. Donc voilà, on essaie de mettre en évidence les bijoux, les vêtements, les épices, même le beurre de karité, le beurre de cacao. Vous allez voir, c'est un shop très convivial et classe, on veut dire, à mon goût en tout cas. Ben, super, c'est toujours bien quand on est africain de venir à Hambourg et de savoir que il y a un magasin où on peut aller avoir de l'attiqué, du beurre de karité. Ou bien il n'y a pas d'attiqué là-bas? Non, on n'a pas d'attiqué. Ce n'est pas un afro-shop en fait. C'est une boutique de la marque Wabo. C'est bon à savoir. Voilà. Faut bien. Parce que c'est vrai que vous allez le visualiser tout à l'heure. Mais c'est bien de dire que là-bas, on ne vend pas à Kaona, on ne vend pas à Jova. Non, sous une autre forme. On vend du soumara, des épices comme le piment, les crevettes, le poisson, les djumblés, comme on a pu dire, les gombos secs. Okay. Mais on ne va pas d'attiquer. Tout. C'est pas un afro-shop, c'est vraiment une boutique. On essaie de présenter les produits africains sous une forme respectable. On va dire où on peut inviter nos amis européens. On place les trucs sur la table. Super. Et c'est convivial, quoi. Il ne faudrait pas qu'on laisse, comme on fait au pays, de façon archaïque un peu, on dépose et puis on paume le gars. Bah, ça va trop dans ce style. Est-ce que l'ambassadeur est déjà venu faire des achats? L'ambassadeur est déjà venu. Il est venu, il a visité, il a acheté des choses. Et vraiment, il nous soutient. Il a fait une photo avec nous, il nous a donné sa bénédiction. Il est venu avec une délégation d'ailleurs. Merci encore, monsieur l'ambassadeur. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir l'ambassadeur Philippe Mangou proche de ses compatriotes, des Ivoiriens qui vivent en Allemagne. Que ce soit à Hambourg, à Berlin, un peu partout en Allemagne, dans toutes les villes allemandes où il y a des Ivoiriens. Et comment généralement tu arrives à avoir tes articles que tu exposes au shop? Ben, nous travaillons avec des coopératives féminines en Côte d'Ivoire. On essaie de pouvoir travailler avec elles parce que nous les soutenons en reversant une partie des bénéfices que nous avons pour augmenter leur productivité en leur donnant des machines qui broient l'arachide en pâte ou le manioc. Voilà. C'est ce que fait l'ONG aussi. Donc c'est un peu dans cette lancée-là. L'association, il y a beaucoup dans le social tout de même. Hein. Oui, c'est une ONG qui, en tout cas en Côte d'Ivoire, on n'est que dans le social. Donc, est-ce qu'avec tout ce que vous faites, par exemple, lorsque vous arrivez à prendre des bénéfices plus ou moins pour soutenir cette coopérative, est-ce que vous avez des subventions de certaines structures ou bien des institutions? Pour la société Wabo, non, parce que c'est une société privée, non, de business. Mais pour l'ONG Naïe, oui, on a des partenaires avec qui on travaille sur certains projets, c'est toujours ponctuel. Et puis nous aussi, on a les cotisations de membres qui nous aident aussi à pouvoir réaliser des projets au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que chaque année, c'est des kits scolaires qu'on partage aux enfants démunis. Bon, le classique, c'est les fêtes de Noël, on donne des cadeaux aux enfants. Cette année, à partir du mois d'août, on a initié ce qu'on appelle, on va prendre des étudiants ou des personnes qui ont déjà le bac, qui ont le niveau B2 du certificat allemand. On va les recruter et ils vont venir ici faire une formation dans le domaine médical en tant qu'assistante à personnes âgées. Donc, nous, on prend en compte vraiment tous les frais au niveau de l'Allemagne. Super. Mais lorsque tu dis, dans le cadre de la société Wabo, que vous reversez un peu des dividendes aussi aux coopératives, on va se dire, mais Christelle, du coup, elle est philanthrope ou quoi? Parce que ce sont les bénéfices qui te permettent de faire tourner ta société tout de même, non? C'est pas tous les bénéfices, hein, c'est 15% seulement des bénéfices. OK. Donc, après, c'est du capital qu'on investit, on veut quand même avoir un retour d'investissement favorable. C'est pas du social. Le social, c'est dans l'ONG Naïe. Wabo, c'est que du business que je fais. Okay. Vraiment, on va dire, comme on dit, ce business profite aussi l'argent aux coopératives avec lesquelles vous avez vos articles. Exactement, parce qu'on reverse 15% de nos bénéfices à ces coopératives-là pour qu'elles puissent augmenter leur productivité, en fait. Wow. Ça existe depuis combien de temps, le shop? Wabo sera sa deuxième année cette année, ça va vite. Hein? Wow. C'est dans le Covid qu'on a créé. On a eu l'initiative de pouvoir créer ça. Il faut savoir que nous, déjà, depuis notre enfance, nous, on vendait les toffees en classe. On vendait les poudres de lait. À l'université, on prenait les trucs au Ghana pour aller vendre en amphi. Donc, on a toujours cette vibre de businesswoman en nous. Et voilà, c'est dans l'objectif de faire cela qu'on a créé le Wabo, en fait, pour donner la nostalgie des produits africains aux gens d'ici. Super. Stone, le temps que tu promènes un peu ta caméra, c'est vrai que là, on parle de Wabo. Mais on voit un peu ces beaux buildings-là en plein centre de Hambourg.
toi, quel est l'endroit le plus beau que tu pourrais conseiller aux gens ici à Hambourg s'ils viennent à la faveur du festival Naïe? Bon, comme on ne monte pas son village avec le doigt gauche, je c'est dirais clair. D'abord Rotenbuchsort, okay. Elle Park, c'est magnifique, il y a de l'eau, il y a la verdure, il y a tout. Mm-hmm. Mais il y a aussi Hafen City, parce que c'est une autre ville aussi en construction, mm-hmm. qui est très belle comme ville. On a Lonsbrücken, là où il y a le port, parce qu'il faut savoir qu'il y a un port à Hambourg ici qui est très développé. Et puis voilà, c'est les deux là que je pourrais dire à visiter absolument. Pour avoir une carte postale de Hambourg, là on est au centre-ville de Hambourg, c'est ça? On n'est pas loin du centre-ville. Là, on est à Hammerbrook. C'est pas loin de Rotenbuchsort et Hafen City. Mais là, c'est Hambourg. C'est pas les communes périphériques. Non, okay. Pas du tout. Hambourg, c'est très vaste et très grand. Ouais, c'est-à-dire là où toi, ta commune, c'est une commune périphérique à la ville d'Hambourg. Non, c'est central. On est dans le centre encore de Hambourg. Ah, ok. C'est, voilà, ce qu'il faut savoir, comme on le sait, en Allemagne, tout est fédéral. Okay. Et puis, tout est décentralisé. Donc, même dans la ville de Hambourg, c'est décentralisé. Il y a Hambourg Nord, il y a Hambourg Centre, il y a Hambourg Est et autres. Okay. Et donc, nous, on est dans Hambourg Centre. Voilà. Ah, ok. Je vois un peu. J'essaie un peu de projeter un peu sur le modèle français, je vais dire ça comme ça. Non, on n'a pas du tout le modèle français. Nous, on a vraiment très différent. Parfait. Voilà. Parfait. Donc là, on est en train de passer où, là? On est à Hammerbrook. Hammerbrook. C'est ça. Hammerbrook. Et on va là où se trouve le shop, ça c'est où? Ça c'est à Moodsbrook Center. Il faut savoir que c'est dans un grand centre commercial. Donc voilà, c'est central aussi, mais c'est proche de Bamberg. Bamberg, il y a plusieurs, on va dire, maquis, en Côte d'Ivoire, restaurants et tout ça aussi. Donc c'est un endroit qui est beaucoup commercial, on va dire. Et on va arriver au shop. À Moodsbrook. Ouais, on y sera dans combien de temps? Maintenant, je crois qu'on a peut-être 4 à 5 minutes. Ok, parfait. Donc, tout à l'heure, du moins, vous allez voir le shop de Christelle Yobo. Tu dis, ça s'appelle comment? Wabo Shop. Wabo Shop. Wabo, c'est en quoi? Wabo, c'est en gagou, ma langue maternelle, qui signifie bonheur et chance. Ah ouais, tu es Doumé? Réussite, c'est ça, je suis Doumé. De Sakao, précisément. Il y avait un maire en son temps là-bas, le maire Yao Récolte, que j'avais connu en son temps. D'accord. Voilà, voilà, Oumé. Oui, moi, mon oncle était député Doumé, Yobo ah. Guillaume. Ah ouais. Très longtemps, jusqu'à ce qu'il décède. Voilà. En plus, c'est mon nom, Guillaume. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de Guillaume dans la politique. Guillaume Yobo, Guillaume. Bon. Il y a d'autres qui sont journalistes. On ne va pas parler des Guillaume, des Guillaume politiques. Mais bon, il y a quand même le président de GPS, Guillaume Soro, personnage emblématique de la Côte d'Ivoire, homme politique. Ok, Dillistone me fait dire qu'il faut qu'on fasse un petit stop et après, on va terminer le tournage au Wabo Shop. Merci. Quand on arrive au Wabo Shop, c'est au centre Moodsbrook. C'est un centre commercial qui est situé à Bamberg, à Hambourg. Ok. Oh, c'est grand, grand. Donc, du coup, voici le shop. Wabo Shop Trésor d'Afrique, qui représente en fait la Côte d'Ivoire en particulier, où on essaie de mettre en évidence tout ce qui est ivoirien, africain. De karité, on a des huiles pour le bronzage, pour le visage. Ça, c'est le beurre de cacao. Ça, c'est des mentholatum, on va dire, des menthes pour pouvoir se masser. Ici, on a du couscous de banane plantain qui est très bon, qu'on peut déguster comme la tiquée aussi. Là, c'est du bissap que nous avons. On a des épices de soumara, de poisson, de piment. On a du haki aussi qu'on met en conserve. On a du dumblé et puis des crevettes. On a de l'huile. Ici, c'est mon produit préféré, c'est du miel de Bundjali que les Allemands aiment dans la folle. Et puis voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on essaie de mettre en évidence, les vêtements. Et puis voilà, des broderies. On a des accessoires, des sous-tasses. C'est un peu ça.
Vous avez vu un peu cette belle coiffe africaine que je mets derrière le comptoir du Wabo, le Wabo. Tu viens, Christelle? Nous sommes dans un univers qui célèbre l'Afrique. C'est ça. Et celle qui est promotrice, en tout cas, de ce bel espace, c'est Christelle Yobo. Elle fait le Naïe Festival les 23, 24, 25 juin 2023. Mm-hmm. Et à la faveur de ce festival, justement, elle nous a invités, elle nous a fait découvrir ce bel écrin culturel et artistique qui met en valeur les produits africains, ivoiriens. La preuve, cette belle coiffe. Je répète encore tantôt. Christelle, quelles sont les personnes que tu reçois généralement ici? Dans mon shop, mes meilleurs clients sont les Allemands. Parce qu'ils viennent te découvrir. Il y a quelques Ghanéens qui viennent prendre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes modèles que nous. Donc ils viennent nous raffoler un peu ce genre de modèle-là, parce qu'ils n'ont pas ce même style vestimentaire que nous. Sinon, mes meilleurs clients sont vraiment les Allemands. Les Allemands qui a... Hier même encore, il y a des Allemands qui achètent du Soumara avec moi. Du Soumara? Du Soumara, voilà. Donc je leur explique la qualité, on va dire sanitaire, si je m'exprime bien. Parce que le Soumara regorge vraiment des produits. C'est bon pour la santé. Ça diminue le taux de cholestérol. Ça donne une santé de fer. En tout cas, c'est pour cela que les personnes qui utilisaient le Soumara avant ont une longévité de vie. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On a tout en Afrique, surtout bio, hein, des choses bio. C'est ça. Le Soumara. Et un autre produit phare, c'est le tiongon qu'on appelle en allemand Tiganus ou en anglais Tiganus. On a aussi le couscous de banane et le miel. Ce sont nos produits phares. Donc, c'est vraiment... Rappelle-nous, l'adresse est où, ça? L'adresse est à Mundsburg Center, Hamburgerstrasse Nummer 1. Si vous êtes de passage en Allemagne, surtout Hambourg, n'hésitez pas, faites un tour au Wabo. C'est ça, non? C'est ça. À la boutique Wabo. Wabo Shop. Voilà, Wabo Shop. C'est chez Christelle Yobo. Didistone, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire là, du coup? On fait un clap de fin? En tout cas, merci. Chapeau bas encore à Christelle pour tout. Merci, chapeau bas à vous, à votre équipe, Didistone et Guillaume Vergès. C'était très convivial, très aimable, simple et puis qualitatif. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Je remets ma coiffe. Peut-être que je vais partir à ça à Nantes. Allez, bisous. C'est un cadeau, c'est bon, c'est fait. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça marche.